Alors nous sommes arrivés donc Daf Mem Dalet de Shavuot, nous sommes jeudi, on est le 24 Tevet. Il nous restait hier les 8 dernières lignes de Mem Gimel Amud Bet, 8 dernières lignes, Lima Ketanae. La Gemara pose une question, est-ce que ce qu'il a dit Shmuel, hier on a vu Shmuel, il a dit quand un homme, il prête une somme d'argent et l'autre il lui laisse un gage, même si le gage ne vaut pas la valeur de l'emprunt, de la dette, s'il perd le gage, alors la dette, elle est perdue. Et moi, je dis, est-ce que ça, c'est une marloque de Tanaïm? On a vu, en effet, Hamalvé et Havelo à la Mashkon. Celui qui prête de l'argent à la Mashkon, donc sur, avec un gage, en échange d'un gage. Ve'aba de Mashkon. Et le prêteur a perdu donc le gage. Hier, on a pris l'exemple d'une montre. Il a perdu la montre. Qu'est-ce qui se passe? Il savait envie de ton lettre maotard devenir la Bé d'Aez. Rabbi d'Aez, il dit, il jure comme quoi il a perdu la montre et il récupère sa dette. Hein? Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il dit non. Il va lui dire, il dit, l'emprunteur, pourquoi tu m'as prêté? C'est parce qu'en échange, je t'ai donné le gage. Alors, si tu as perdu le gage, alors, donc la dette, elle est perdue aussi. Maintenant, ça, c'est donc quand on prête donc, sur un objet, donc en échange d'un objet gâché. Aval. Et la Gemara continue. Hamalvé elevzus bishtar. La Gemara dit maintenant, si un homme il a prêté par exemple 1000 pièces, on va dire 1000 euros, bishta, il y a un contrat. Il lui a donné une montre comme caution. Devrait akol selon tout le monde, si avada mashkon avdo maota. Si il a perdu l'objet gagé, il a perdu son argent. Pourquoi? Parce que, normalement, ici, il a un contrat comme preuve. Alors, pourquoi il a... Normalement, quand on prend un gage, pourquoi? C'est au cas où l'autre, il nie, il dit, monsieur, voilà, tu ne veux pas me payer? Voilà, je me fais payer avec ta caution. Mais comme ici, il a un shtar. Donc, la preuve du prêt, elle est déjà, elle existe. J'ai un shtar contre le monsieur, donc il ne peut pas se sauver. Donc, pourquoi il a donné le mashkon? À quoi il sert le mashkon? C'est au cas où je ne paye pas, tu te rembourses le mashkon. Tu l'as perdu, alors je ne paye pas. Ça, tout le monde est d'accord qu'il a perdu le mashkon, et donc tout est perdu. Alors maintenant, via la Gemara, elle dit, Echidami. Donc quelqu'un en parle ici, quand on a vu le mahlok, notre Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, que soit il a perdu, soit il jure qu'il n'a pas, il prend selon Rabbi Eliezer. La Gemara dit comme ça, et déchavé chez Ozozé, si le mashkon, la montre, elle vaut la somme du prêt. Imagine, il lui a prêté 1000 euros, il lui a donné en échange une montre qui vaut 1000 euros. Non, on parle de la mahlok, c'est le premier cas où il n'y a pas de shtar. C'est le mahlok où Rabbi Eliezer dit, il jure, il récupère son argent, et Rabbi Akiva dit non, il a perdu l'argent. La Gemara dit comme ça, si on dit que la montre, elle vaut 1000, je prête 1000, il me donne une montre en échange 1000, donc la caution. La Gemara dit, Maïtamé de Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabbi Eliezer dit, je jure que j'ai perdu la montre et je récupère encore 1000. La montre, elle vaut 1000, c'est ça la dette. J'ai perdu la montre, c'est terminé, c'est la dette, c'est le prix. Alors on ne comprend pas. Il jure pour dire qu'il a vraiment perdu la montre. Ah oui. C'est pas par rapport au prix, non, qu'il jure. Non, il jure qu'il a perdu réellement la montre et l'autre, il est obligé de rembourser la dette. Mais justement, si la montre elle vaut 1000, je te prête 1000, tu me donnes une montre, je perds la montre, c'est terminé. Alors pourquoi Rabbi Eliezer dit, je jure que j'ai perdu la montre et je récupère? Non. Mais l'emprunteur ne récupère. Le prêteur ne récupère pas ses sous, là. Puisqu'il a bien dit. C'est la question. C'est la question qu'on pose. Si la montre vaut 1000, exactement la somme de la dette, ben, si tu as perdu, ça y est. Alors comment ça se fait que Rabbi Eliezer dit non, je jure que j'ai perdu la montre et je récupère la dette encore? C'est un problème. Donc ça ne peut pas être ça. Et la lave,
On est obligé, donc ça peut pas être ça, c'est tellement illogique. Donc on est obligé de dire que j'ai prêté 1000, il m'a donné une montre qui coûte 100 euros seulement, ou 200 euros, on s'en fout. Donc elle ne vaut pas la valeur. Et c'est là où il y a la mahloket. C'est-à-dire, selon Rabbi Eliezer, quand il a dit Rabbi Eliezer, je jure que j'ai perdu la montre et j'ai récupéré l'argent, lui il ne pense pas comme Shmuel. Rappelez-vous, Shmuel il a dit, je prête 1000, il me donne le manche d'un fossile, j'ai perdu le manche, j'ai perdu l'argent, même si le manche ne veut pas de l'argent. Donc Rabbi Eliezer, lui, il ne pense pas comme Shmuel, puisqu'il a dit, il jure, il récupère la suite. Alors que Rabbi Akiva, lui, quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Pourquoi il dit non? Parce que Rabbi Eliezer, il considère que moi, le prêteur, quand tu m'as donné la montre, je suis en fait un gardien gratuit de la montre. Un gardien gratuit, quand il perd un objet, il ne doit rien. Il jure. Alors, je jure. Alors, tu me rembourses. Je jure qu'il n'y a pas de chier, plutôt. Voilà, c'est ça. Et Rabbi Akiva qui a dit non. Parce que Rabbi Akiva, il pense que, comme Shmuel l'a dit, je te prête une somme, je te donne en échange un objet gagé, ça, même si ça ne vaut pas le prix, tu as perdu ça, et bien moi, c'est terminé. Donc, c'est ça la question d'Amra. Est-ce qu'on va dire que Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, donc ils sont chantim sur cette notion de Shmuel? Oubliez de Shmuel, Rabbi Falgué. Donc c'est ça la mahlouk. Mais il devient gardien gratuit jusqu'au défaut de paiement. Hein. Après, dès qu'il paye. Non. Le paiement, la dette, c'est une dette. Maintenant, j'ai gardé quelque chose, je l'ai perdu. Je jure que je n'ai pas été négligent. Mais tu me rembourses quand même ma dette. C'est ce qu'il a dit Rabbi Eliezer. Donc on voit bien qu'on parle d'un cas où la montre ne vaut pas la valeur du prêt. Et Rabbi Eliezer et Akiva, en fait, ils sont en train de diverger sur cette notion que Shmuel a dit. Est-ce que quand on donne un objet gagé, mais qui ne vaut pas la valeur de la chose, si on perd l'objet, on est perdant toute la somme de la dette. C'est ce que dit Rabbi. La montre, elle vaut le prix de la dette. Ah, c'est sûr que tout le monde est d'accord. On l'a dit là. C'est tout le monde est d'accord. Gardien gratuit. Ah non, la montre elle vaut la dette, c'est terminé, tu as perdu la dette, tu as perdu la montre, tu as perdu la dette, c'est la même valeur. Et même si elle vaut 900 et l'autre elle vaut 1000. Est-ce que tu me tu dis Donc l'agma a dit, est-ce que c'est bien la mahlouk de Tanaïm? On répond là, l'agma a dit non. En vérité, bidla shavé kolé'am aléthéo de Shmuel. Si la montre ne vaut pas la valeur de la dette, tout le monde n'est pas d'accord avec Shmuel. Comme tu dis, la montre elle vaut 200, c'est pas parce que j'ai perdu une montre que je perds 1000 euros. D'accord. Il peut donner 800, non? Non, alors justement, c'est ce qu'il a dit. L'agma elle répond, elle dit non, on n'a pas comme Shmuel. Shmuel il a dit, tu prêtes 1000, tu donnes un objet qui vaut 10 euros, il a perdu l'objet, tu as tout perdu. Non, il dit non, mais si on n'est pas, tout le monde n'est pas d'accord. Alors c'est quoi la mahlok entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? En vérité, la montre, elle vaut 1000. Exactement la valeur de la dette. Ah, alors pourquoi Rabbi Eliezer, il a dit, il jure, il n'est pas tôt? Il dit parce que, eux, ils discutent sur un autre sujet, celui de Rabbi Ishaq. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishaq? De Amar Rabbi Ishaq. Minnaïn leva al-hov, shikonim mashkon. Rabbi Ishaq, il dit comme ça. Quand le prêteur, on lui donne un objet gagé, c'est comme si qu'il a acquis, il est à lui déjà. Il dit Rabbi Ishaq, d'où on apprend que c'est comme ça? Il dit parce que c'est marqué dans la Torah, c'est Neymad ou l'chat et yé sedaka. Et maintenant qu'on est maskon, sedaka, maintenant l'autre, mais quand on va l'chat, on est maskon. Parce que la Torah dit, quand on prend un gage, vous vous rappelez, on a dit, si c'est une couverture, le soir tu la lui rends. Il dort avec, le lendemain tu la prends. Si c'est une voiture, tu la prends la journée. Non, voilà. Voilà, le contraire. Voilà, etc. Voilà, et c'est ça. Et la Torah dit là-bas, Oulchat et Yitzedaka. Et ça, quand tu fais ça, tu fais du Zdaka. Alors on dit, comment Zdaka? Si c'est la couverture, elle est à lui, la voiture, elle lui dit, quel Zdaka il y a? Et là, c'est sûr que la Torah, elle te donne, on s'approprie l'objet gagé, il est à nous. Donc à chaque fois que je le donne, en fait, je suis en train de faire un Zdaka. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il dit donc, en vérité, l'objet gagé, il est acquis au prêteur. Alors c'est pour ça que selon Rabbi Eliezer, lui il dit non, pas du tout monsieur, il n'est pas acquis au prêteur. Tu n'es que
encore une fois, qu'un gardien gratuit sur l'objet. C'est pour ça que Rabbi Elazar a dit, quand tu as perdu, tu jures et tu récupères ta dette. Et Rabbi Akiva, il dit, non monsieur, on a comme Rabbi Yitzhak. Et je suis j'acquiers un objet, il est à moi, je l'ai perdu, tant pis, c'est fini. Donc la dette, elle est finie aussi. Bien, maintenant, la Gemara dit, Lima. Alors, est-ce qu'on va dire, de Rabbi Yitzhak Tana Ehi. Alors, est-ce qu'on va dire que Rabbi Yitzhak, donc cette notion de prêteur qui acquiert l'objet gagé, est-ce que c'est une mahlok de Tanaïm, puisque on voit que Rabbi Eliezer ne pense pas comme lui, donc Rabbi Yitzhak, Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec lui, donc c'est une mahlok de Tanaïm. Vialagma a dit non, mais t'espéra, comment tu peux dire ça? Pas du tout, je peux te dire que ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak, c'est admis pour tout le monde. Alors voilà, Rabbi Eliezer ici n'est pas d'accord, puisque Rabbi Eliezer l'a dit, il jure et il récupère sa dette. Il dit non, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Et moi, de Amar Rabbi Yitzhak, je suis venu sur le Béchat Alva'a. Mishkino Béchat Alva'a, mais Amar, la Gemara a dit, quand est-ce que Rabbi Yitzhak, il a dit effectivement que le prêteur acquiert l'objet gagé? C'est quand Mishkino Béchat, c'est le Béchat Alva'a. C'est-à-dire, en fait, j'ai prêté à quelqu'un 1000 euros. Il ne m'a rien donné comme objet. Le délai de paiement est arrivé. Il n'arrive pas de quoi rembourser. Je vais au Bédine. Et le Bédine me permet d'aller. Enfin, j'allais à Bédine, il va chez le monsieur. Et il me récupère un objet. C'est quand, après le délai de paiement passé et l'autre n'a pas remboursé, que je récupère cet objet gagé. Et là, Rabbi Yitzhak, il a dit, j'acquiers l'objet gagé. Mais lorsque, au moment où je prête, je prends un objet gagé, Rabbi Yitzhak, il n'a jamais dit ça. Or, nous, ici, Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, ils parlent de ce cas-là. Dans le cas où le monsieur, il a pris l'objet gagé au moment même où il prête l'argent. Et donc là, Rabbi Yitzhak, il ne parle pas. Donc, si l'objet gagé, il a été donné après le délai de paiement, on ne parle pas. Ici, notre Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, il ne parle pas de ça. Et donc, ils sont tous d'accord avec lui qu'en vérité, qu'on est machko. Puisque la preuve, c'est que le Bédine, il lui donne après. Donc, c'est bien à lui. C'est un petit peu contre remboursement, puisque l'autre, il ne rembourse pas. Mais si il le prend au début de la dette, c'est là, il y a mahloket. Et là, Rabbi Yitzhak, il ne parle pas de ça. Donc on ne peut pas dire que c'est une mahloket. D'accord, il a perdu la montre, il donne 1000 euros. Alors, l'emprunteur, il a tout perdu. Hein. La montre, 1000 euros. Celui qui dit qu'il doit. Dans le cas, on parle dans le cas, justement. La mahloket, c'est dans le cas où il a donné l'objet gagé au moment du prêt. C'est ça, mahloket, Rabbi Yitzhak, Rabbi Akiva. Il perd 1000 euros et la montre. Rabbi Yitzhak et Rabbi Akiva. Rabbi Yitzhak a dit, il a perdu. Non, pourquoi il a perdu la montre? Rabbi Eliezer, il jure qu'il a perdu la montre, mais il récupère. Oui, oui, absolument, c'est Rabbi Eliezer. Donc, elle a dit, « Mishkeno, shelo b'shat alva'a, alva'ato, kol e'alma la pléridit, ou de la b'sa. » Donc, on est bien d'accord. Lorsque il lui a donné l'objet gagé, « shelo b'shat alva'ato », c'est-à-dire donc, après que le délai de paiement est arrivé et l'autre n'a pas de rembourser, c'est le bedin et le prend. Ça, tout le monde est d'accord avec Rabbi Yitzhak que l'objet gagé, il est acquis au prêteur, c'est normal. Ici, donc, c'est-à-dire, il a pris l'objet gagé au moment où il donne les sous, l'autre, il prend l'objet de le prêteur de cet objet gagé. Et alors, c'est quoi alors? Pourquoi Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, ils discutent? Ouf, Shomer, Aveda, Kamefalgé. En fait, ils discutent sur l'état du prêteur. Quel statut il a le prêteur quand il détient l'objet gagé? Quel est son statut? Dites-moi, là voilà, il dit moi, Shomer Aveda, Rabba Amal ke Shomer Hinnam, Rabbi Yosef Amal ke Shomer Sacha. Donc, Shomer Aveda, le Gemara dit comme ça, quelqu'un il trouve un objet perdu, il doit le rendre à son propriétaire. En attendant de déclarer que l'autre il vienne, il le garde chez lui à la maison. Le fait de le garder chez soi à la maison, quel est son statut? Il y a une mahloque entre Rabba et Rabbi Yosef. Rabba, il a dit, c'est un shomer hinam, il garde gratuitement, puisque de toute façon, il n'a aucune récompense. Le jour où le propriétaire arrive, il donne les simanim, et il rend son objet. Mais Rabbi Yosef, rappelez-vous, on avait vu ça. Rabbi Yosef, il a dit, c'est un gardien salarié. C'est quoi son salaire, vous vous rappelez? Et quand on dit que quand un homme il vient et demande du tzedaka, il dit, monsieur, je suis occupé à garder l'objet. Donc je gagne de l'argent. Je ne donne pas, c'est un petit peu ça. C'est ce qu'on appelle Shomer Sacha.
Et en fait, ici, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, ils discutent sur ça. Rabbi Eliezer, il dit, comme rabbin, c'est un gardien gratuit. C'est pour ça, gardien gratuit, tu jures que tu as perdu l'objet gâché, et donc tu récupères ta dette, il n'y a pas de problème. Rabbi Akiva, il dit non, il pense comme Rabbi Yosef, c'est un chômeur sahar, tu es un chômeur gardien salarié, tu as perdu, tu payes. Et donc, ici, tu as perdu l'objet gâché, tu as perdu la dette. Alors, viens maintenant, l'agma, elle dit, l'ima de Rabbi Yosef Tanaihi. Alors, est-ce qu'on va dire ce qu'il a dit Rabbi Yosef, que le statut d'un prêteur qui garde un objet gâché, c'est un gardien salarié? C'est une mahlok et des tanaïm. Ça veut dire que selon Rabba, comme Kadesh Omer Hinnam, c'est sûr que Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec lui. Mais Rabbi Yosef, est-ce que c'est aussi mahlok et des tanaïm? Et il te dit non. Là, Beshomer Abeda de Khoné Almet de Rabbi Yosef. Il dit en fait, quand quelqu'un il garde un objet gâché ou un objet perdu ici chez nous, un objet gâché donc, tout le monde est d'accord, il est comme Rabbi Yosef, c'est-à-dire il a le statut de gardien salarié. Donc, s'il est gardien salarié, s'il perd l'objet, il a perdu la dette. Mais alors, c'est quoi la mahloque d'ici? Rabbi Malvé Salih Lamashkon Kamefalgé. Il dit en vérité, c'est quoi? Alors pourquoi Rabbi Eliezer, il dit, il jure, Rabbi Akiva dit non, il perd la dette. La mahloque d'ici, c'est que le Malvé, le prêteur, quand il a pris l'objet gâché, il va utiliser l'objet gâché. Alors que normalement, quand on prend une caution, on ne le touche pas. Mais ici, ils se mettent d'accord. Par exemple, ils laissent une voiture en gage, mais ils se mettent d'accord et qu'il peut utiliser la voiture, moyennant réduction de la dette. On a vu ça avant. D'accord? Par contrat, hein, toujours. Oui, toujours, tout est bien comme il faut. Donc, alors, Morsavar, alors, maintenant, puisque le prêteur est en train d'utiliser le mashkon, et avec cela, il est en train de réduire la dette du monsieur, alors la maman a dit, Rabbi Akiva, ça va, mitzvah karavit. Évidemment, puisque, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'aider, parce que quand on prête de l'argent en général, on prête à un pauvre. Donc il est en train d'aider le pauvre à se décharger de sa dette. Alors, donc il fait une mitzvah. Donc comme c'est une mitzvah, alors chemin sahar, eh bien, quand tu perds la dette, tu as tout perdu. Tu as perdu l'objet gâché. Hayav gneva vavida, chemin sahar. Au moins ça va, là, on mitzvah karavit. Rabbi Eliezer dit non, c'est pas une mitzvah. Puisque comme lui-même, il a besoin d'utiliser ça, ben, c'est un petit peu pour avoir un intérêt personnel. Même s'il est en train d'aider l'autre, mais c'est avant tout lui aussi, il a besoin. C'est pour ça qu'il n'est pas considéré comme Shomer Mitzvah. Il est donc Shomer Hinam, tout simplement. Et c'est pour ça que Rabbi Eliezer l'a dit. Il jure d'avoir donc perdu l'objet. Et il, donc, récupère sa dette. Via la Gemara, elle, donc, demande une question. Alors, l'ima qui est Tanaï. Est-ce que ce qu'il a dit, Shmuel, de nouveau, c'est une mahlouk de Tanaïm qu'on a vu quelque part? Dans une variété, c'est marqué comme ça. Hamalvet havelo ala mashkon v'nechnas shmita. Regardez ça. Nous, on sait que quand on prête de l'argent à quelqu'un, vous vous rappelez, si la shmita, elle arrive à la fin de la shmita, on n'a plus le droit d'aller réclamer la dette. On va shvi'it shmitena on tashta. D'accord? À moins qu'on fasse pause boule, laissons de côté le pause boule. J'ai prêté 1000 euros. On est à la shmita. Cette année, c'est la shmita. À la fin d'année, 30 iloul. Veille de Rosh Hashanah le soir, je n'ai pas été réclamer la dette. Après Rosh Hashanah, je n'ai plus le droit d'aller réclamer. Le Higos, c'est marqué. Bien. Maintenant, la Gemara dit comme ça. J'ai prêté de l'argent à quelqu'un. Maintenant, par exemple, cette année, on n'est pas Shemitah encore. Oui, il m'a donné un objet. Une montre, gage. V'nechnas Shemitah. Donc après, la Shemitah, elle est venue. Et elle est terminée. Et après, on est après la Shemitah. Est-ce que je peux réclamer la dette? La Gemara dit, et non, Meshamet. Pardon, Afalpi, Shieno, Shavé, la Palga, et non, Meshamet. Même si la montre ne coûte que 500 euros, alors que j'ai prêté 1000 euros, il n'y a pas de Shemitah. Parce que quand est-ce qu'il y a Shemitah? C'est quand je n'ai rien. Donc j'ai prêté 1000 et je vais réclamer 1000. Mais ici, comme j'ai déjà 500, d'accord, en main. Alors ça ne s'appelle pas
que je vais réclamer ma dette. Alors, selon Devré Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel dit comme ça, j'ai le droit de réclamer. Il n'y a pas de Shemitah ici, parce que j'ai en main quelque chose. C'est un star. C'est pas un star, mais... le fait d'avoir un objet gagé, c'est comme si j'ai la dette en main. Puisque j'ai l'objet. L'autre, il tient à son objet. Donc c'est comme si il m'a déjà remboursé, en fait. Maintenant, Rabbi Yehuda Hanassi Omer. Im haya mashkono kineret hovo eno meshamet, veem lao meshamet. Rabbi Yehuda Hanassi dit comme ça. Ça dépend. Si le mashkon, il vaut la dette, alors effectivement, eno meshamet. La montre, elle vaut 1000, et toi, tu as prêté 1000, bah, tu viens après la chimie, tu réclames ton argent, parce que tu as déjà l'argent chez toi, donc ça, c'est pas un problème. Par contre, vim lav, sinon, si la montre, elle vaut que 500, selon Rabbi Yehuda, meshamet. Et shmita, c'est terminé. Alors, viens maintenant, l'agmara, elle essaie de comprendre. Il garde l'objet. Et l'objet, il a déjà 500. Hein? Il garde l'objet gagé. Oui. C'est évident. Voilà, il a déjà 500 chez lui. Voilà, il prend 500, mais il ne prend pas le reste. Alors justement, on va comprendre. Attendez, justement, il m'a dit, « Maïno meshamed akamatanakama. » Quand Rabban Shimon ben Gamliel, il a dit, même si la montre, elle vaut 500, d'accord, il n'y a pas de Shemitah. Il m'a dit, c'est quoi, il n'y a pas de Shemitah? Il parle de quoi? Il est ma kinerdo. C'est-à-dire, si tu me dis, il n'y a pas de Shemitah, kinerdo, c'est-à-dire, pour la... on a pris un mauvais exemple, 500, parce que on comprend moins. Imaginons la montre, elle vaut 300. D'accord? Et moi, j'ai prêté 1000. Alors, si on dit, quand Rabban Shimon il dit, même si la montre, elle vaut 300, il n'y a pas de Shemitah. Donc, moi, je dis quoi, il n'y a pas de Shemitah? Est-ce que ça pardonne tout, ou est-ce que ça pardonne que les 300 que j'ai? Vous comprenez? Donc, moi, j'ai prêté 1000. Il m'a donné une montre qui vaut 300. La Shemitah, elle est terminée. Je viens maintenant après la Shemitah. Alors, Rabban Shimon lui dit, même si la montre ne vaut pas la valeur, il a dit qu'il n'a pas le gars, mais on va en prendre donc 300 seulement, comme ça, on comprend mieux. Et non, mais jamais, il n'y a pas de Shemitah. La Gemara dit quoi, il n'y a pas de Shemitah? Surtout, ou c'est uniquement la valeur de la montre? Parce que j'ai 300, donc je peux pas, les 300, je peux les réclamer, mais pas le reste. Ou bien, je peux réclamer la totalité. La Gemara dit... On les a déjà. Hein? On les a déjà de 300. Mais c'est ça qui t'aide à les récupérer. Parce que, oui, mais justement, c'est pas ça que tu peux les prendre. Mais les autres, on ne sait pas, c'est la question d'Agmara. Hein. Et les makinegdo. En fait, le gage, il annule le. Ah, s'il n'y a pas de gage. Toute la question, est-ce que le gage, il annule que la valeur du gage ou toute la somme? C'est ça la question. L'Agmara va discuter. Et les makinegdo aussi, tu me dis que seulement 300. D'accord? Par exemple. Alors, l'Agmara dit Mikela de la Beda, Nassé, Savak, Nardo, Namé, Meshamet, Lama et Tafiz, Mashkon. On m'a dit, si on dit 300, qu'est-ce qu'on a vu, nous? Rabban Shimon ben Gamliel dit, voilà, tu as pris une montre qui coûte 300, les 300, tu les prends après la Shemitah, il n'y a pas de problème. Seulement, Rabbi Yehuda Hanassi l'a dit, si la montre, elle ne vaut pas le prix, Meshamet, Meshamet, ça veut dire que même les 300, il ne les prend pas. À quoi sert la montre alors? D'accord. Si tu me dis qu'on parle ici de la somme, seulement de la valeur de l'objet gagé, et que Rabban Shimon lui a dit, voilà, la valeur à hauteur de l'objet gagé, tu peux récupérer ton argent. Ah bon? Et alors Rabbi Yehuda Hanassi, qu'est-ce qu'il dit? Même à hauteur de la montre, tu ne récupères pas. Alors pourquoi j'ai pris la montre alors? Si la montre est moins chère, c'est normal. On parle? Mais non. Si j'ai une montre qui coûte 300, oui. Pourquoi tu veux qu'après la Shemitah, je ne peux pas réclamer 300? Les 300, 1000. Je les ai aux mains. Mais s'il a prêté 1000, reste tombé les 1000 maintenant, on parle de 300. J'ai prêté 1000, il m'a donné 300. Alors, s'il m'a donné 300, donc c'est comme s'il m'a déjà remboursé 300, oui ou non? Ah, donc maintenant, si après la Shemitah, je vais les récupérer 300, c'est mon temps, parce que c'est chez moi déjà, je ne vais pas les réclamer, ils sont chez moi. Alors, comment ça se fait que Rabbi Yehuda a dit non? Donc, c'est problématique. Et la lave, l'agma a dit, on est obligé de dire, kenehat kulo. C'est-à-dire, on est obligé de dire que la marloque entre Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Yehuda, c'est sûr, toute la somme, pas que la valeur de la montre. C'est-à-dire, je prête 1000. Il me donne une montre qui coûte 300. Il vient à Rabban Shimon ben Gamliel et dit, et non, mes chamettes. C'est-à-dire, il n'y a pas de Shemitah sur les 700. D'accord, sur la différence. Si elle vaut 1000,
Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Voilà. Attends, j'ai prêté 1000, il m'a donné une montre qui coûte 300. Rabban Shimon Gamlini dit, et non, Meshamet. C'est quoi, non, Meshamet? C'est-à-dire, toute la somme, je peux réclamer, il n'y a pas de problème. Et Rabbi Udainas, il a dit non. Rabbi Udainas a dit, seulement la valeur de 300, tu récupères, et les 500, tu ne récupères pas. C'est quoi cette mahlok? Il m'a dit, n'est-ce pas Obed Shmuel Kamefalgé? C'est exactement ça. Ça veut dire que, est-ce que quand tu prends un objet gagé, ça vaut toute la somme? C'est comme il a dit Shmuel. Je te prête 1000, tu me donnes un gage qui coûte 50. Si je perds la somme, 50, j'ai tout perdu. Comme Rabbi Udanasi. Et l'autre, il dit non, je ne pense pas comme Rabbi Udanasi. Rabbi Shmuel dit non. Donc c'est un mahlok donc de Shmuel. Alors viens, l'agma dit non. Là, les olam kilerdo. En vérité, quand je prête 1000, il me donne une montre qui vaut 300. Et la Shemitah passe. Selon Rabbi Shimon Gamliel, quand il a dit Shomet, Kinerdo, c'était que 300. 300, je peux le réclamer, ils sont à moi déjà. Et alors Rabbi Udanasi, qu'est-ce qu'il dit? Même 300, tu ne peux pas réclamer. Et à quoi il sert l'objet alors? C'est ce que l'agma a dit. Mais Rabbi Udanasi, ça va qu'il a donné même Shomet. Ah, outre-arme, t'es mal, t'as fait ce. Alors à quoi il sert la montre? À quoi elle sert? Il dit non. Les Ikhlan de Vanem Bi'alm. La montre, elle sert de preuve, c'est tout. Que si demain il te dit, monsieur, tu ne m'as rien prêté, et monsieur, voilà la montre. Comment tu dis non? Donc la montre, ce n'est pas qu'elle sert de remboursement, pas du tout. La montre, elle ne sert que de preuve. C'est pour ça que demain, si la Shemitah arrive et la montre coûte 300, tu ne peux pas réclamer toute la somme en vérité. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Donc ce n'est pas Marloc dans Shmuel. Si la montre coûte 1000, tu peux réclamer la somme. On a déjà dit Marloc dans Shmuel. Il peut en plus avoir le shtar. Non, le shtar, on laisse tomber pour l'instant. On est sur la notion de la valeur de l'objet gagé par rapport à la somme totale. Hadan alash wa'ata da'inin, on continue nouvelle Mishnah. Pourquoi il ne peut pas tout à fait désormais? Les? Pourquoi la montre n'aurait pas la même valeur? Non, c'est pas pourquoi. Si la montre a la même valeur que la somme, on a déjà dit, il n'y a pas de valeur. On parle quand la montre n'a pas la même valeur de la dette. C'est Kol anishba'in shibatora. Allez, nouvelle Mishnah. Kol anishba'in shibatora, nishba'in velo mishalmin, ve'elo nishba'in v'notlin. La Mishnah nous donne ici des principes. Tous ceux qui jurent dans la Torah, en général, quand on jure, c'est pour ne pas payer. Il y a donc, on réclame, il y a un accusateur, il y a un accusé, c'est l'accusé qui jure pour ne pas payer. Et pas l'accusateur, il jure, il encaisse. Pas comme ça. Dans la Torah, de façon générale, on réclame de l'argent à quelqu'un, c'est lui qui va jurer pour ne pas me payer. Mais hello, voilà, il y a des cas exceptionnels, que eux, ils jurent, ils prennent. Ils ont le droit de jurer et de prendre leur argent. C'est qui ces cas-là? La Mishnah dit, premièrement, un sakhir, un salarié. Il a travaillé chez quelqu'un, à la fin du mois ou à la fin de la journée, il y a un litige entre les deux. Le patron ou l'employeur, il dit, je t'ai déjà payé. L'autre, il dit, non, tu ne m'as pas payé. Donc, c'est lui qui va jurer et on le paye. Ça, c'est un. Véanixan, quelqu'un... La Mishnah, elle va bien développer ça. Donc, tous ces détails, on va le voir de suite. Véanixan, celui qui a été victime d'un vol. Par exemple, il lui dit, je t'ai volé 1000. L'autre, il dit, non, tu m'as volé 2000. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et là aussi, lui, il jure la victime. La victime jure et elle encaisse les deux. Il n'est pas saoul. Hein? Il n'est pas saoul, le voleur. Non, la victime. Ah oui, parce que pourquoi l'autre il ne joue pas? Il n'a rien à voir, on va voir ça. Ve'anihbal, quelqu'un il a été donc blessé par quelqu'un d'autre, endommagé. Alors il faut payer des dommages. Alors l'autre il dit combien? C'est lui le blessé qui va jurer et qui va encaisser la valeur de son dommage. Ve'sheknegdo hashuda ala shevoa. Et quand on est dans un litige où il y a deux personnes, et celui qui normalement doit jurer en face, il est invalide pour jurer pour une raison X ou Y. Alors du coup, le serment, il revient à la personne. Enfin, Vihin Vani Alpin Kasso, le commerçant, quand donc il réclame le crédit à quelqu'un. Quelqu'un, il achète par crédit. Donc on va voir comment dans la Mishnah, il va dire, ce n'est pas tout à fait le cas simple qu'on penserait. Alors, on développe ces cinq cas. Hassakhir, donc le salarié premièrement. Ketsat, comment c'est le cas? Le salarié il vient et dit, monsieur, paye-moi mon salaire. Donc,
Le patron, il lui dit, monsieur, je t'ai déjà réglé. L'autre, il dit, monsieur, tu m'as rien donné. Alors, dans ce cas-là, le salarié va jurer et va prendre. Ça, c'est Mishnah. Il vient à Rabbi Yehuda, il met une petite nuance. Il dit, non, c'est pas aussi simple que ça. Rabbi Yehuda, il dit que quand on jure, il faut qu'on soit dans le principe de la Torah. C'est-à-dire, modeh b'miksat. On avoue une partie. C'est que dans ce cas-là où on jure. Et Rabbi Yehuda donne l'exemple selon sa version. Ketzad. Amaloten l'Israël yahamishim dinar shishibetra. Veomet kabata dinar zahav. Il dit Rabbi Yehuda comme ça. Lui, il dit, monsieur, voilà, tu me dois 50 euros le salaire de la journée, j'ai travaillé chez toi. L'autre, il dit, monsieur, mais je t'ai déjà donné 25. Il reste que 25. Alors, c'est là, le salarié va jurer pour encaisser. D'accord ? C'est que dans ce cas-là, oui, il a le droit de jurer et encaisser selon Rabbi Yehuda. Deuxième cas, Nigzal. Donc, victime d'un vol, qu'est-ce que ça ? S'il n'a pas payé complètement, il ne jure pas. Hein ? S'il n'a rien donné, il dit, tu ne m'as pas payé. Selon Rabbi Yehuda, non. Selon Rabbi Yehuda, il faut qu'il y ait un aveu partiel. Deuxième cas, il n'exerce. Qu'est-ce que ça? Il dit, je n'ai pas dit que 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 je n'ai pas dit. L'agma a dit, voilà, la Mishnah, pardon. Comment un homme, il est rentré chez un autre pour prendre un mashkon. Par exemple, je prête l'argent à quelqu'un, il ne me paye pas, je rentre pour prendre un mashkon, un objet gagé. En sortant, il m'accuse, mais tu m'as pris deux. Pardon. Il me dit... tu as pris quelque chose. Voilà, tu m'as pris. Voilà, tu m'as volé. Parce qu'il a pris un machin. L'autre dit non, monsieur, mais j'ai rien pris. Alors, vous n'êtes pas venu à l'hôtel. Le volé, entre parenthèses, la victime volée, elle jure et elle prend. Et là encore, Rabbi Dormen a dit là aussi, Rabbi Dormen a dit non, c'est pas aussi simple que ça. Il faut qu'il y ait un aveu partiel quelque part. Comment? C'est là où il jure selon Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, l'autre lui dit, voilà, tu m'as pris deux vélos. L'autre lui dit, non, mais je t'ai pris qu'un seul vélo. C'est là où il jure. Troisième cas, Nihbal, qu'est-ce là aussi, un monsieur, il amène deux témoins. Comme quoi, il est rentré chez quelqu'un pour discuter, je ne sais pas quoi. Et il est sorti de là-bas, il était blessé. Le bras cassé, la jambe cassée, je ne sais pas. Alors lui, il dit, monsieur, c'est toi qui m'as fait ça. L'autre, il dit, non, moi, je ne t'ai rien fait. Alors il jure et il prend. C'est le cas de la Mishnah. Et là encore, Rabbi Yehuda dit non. Ah, c'était Esha Mirsa Doda, il dit Rabbi Yehuda. Il faut qu'il y ait encore de nouveau un aveu partiel. C'est quoi? Ketsan. Ama lo havat abishtaim. Ve ala omel lo havat ibecha. L'ahat. Par exemple, il lui dit, tu m'as blessé la valeur de 2, je ne sais pas combien. Et l'autre dit, non, je t'ai blessé que la valeur de une seule. Alors là, il jure, selon Rabbi Yehuda. Mais s'il n'y a pas d'aveu, ce n'est pas le cas, selon Rabbi Yehuda. Il ne jure pas pour prendre, ça ne marche pas comme ça. Quatrième cas, Shekenerdo Hashuda la Shevoa. Donc c'est quand quelqu'un, ils sont donc les deux parties, ils sont en discussion, et celui qui doit jurer, il est donc rachou dans la chevoie, donc il est accusé d'être un rachat, et donc il jure pour rien, c'est pour ça qu'on ne va pas le faire jurer. Le serment, il revient à la personne donc, qui réclame. Ketsad, la Mishnah nous donne le cas. Ahat shvuat ha'edut, ve ahat shvuat ha'pikadon, ve afilu shvuat shav, haya ehad mehen, mesachek bakuvia, umalvi belibit, umafdihi yonim, vesohari shvi'it, sheken ardon eshbar venotel. Bien là, donc la Mishnah nous dit que ce soit le serment pour les témoignages. On avait déjà vu. Donc il jure qu'il ne connaît pas témoignage pour soi. Ou bien Shvuat HaPikadon. Ou bien donc serment d'un gardien qui va jurer. Et même Shvuat Shav, c'est-à-dire quelqu'un qui jure pour rien. Si celui qui doit jurer, il était Mesahek Bakouvia, il jouait donc au dé. Ou bien Malvé Belibit, ou bien il prête par intérêt. Ou bien Malfehayonim, il fait des courses de colombes, ou courses de chevaux aujourd'hui. Ou bien Sohadish Viet, ou bien des gens qui vendent les fruits de la Shemitah.
Alors que normalement, c'est tout gratuit, c'est FKR pour tout le monde. Donc si celui-là, il est comme cela, il ne veut pas jurer. Et comme il ne peut pas jurer, c'est donc l'autre qui va jurer et qui va prendre. Donc c'est le quatrième cas de la Mishnah. Maintenant, la Mishnah a dit, ici, Hayushnim Hashudin. Ici, maintenant, tous les deux, ils sont soupçonnés. L'autre aussi, il n'est pas moins moindre que l'autre. D'accord, hein? En général, les deux. Qui te dis-moi qui te fréquente, je te dis qui tu es. Hayushnim Hashudin, qu'est-ce qu'on fait? Hazla Shivoalim Kuma devenait Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il dit, on remet les choses en place. C'est l'autre qui va jurer. L'accusé. Comment on fait sinon? Attends, Rabbi Meir Omer, Yahalok. Rabbi Meir dit, non, pas du tout. Il ne jure pas. Yahalok, il partage sans jurer. Puisque tous les deux, ils sont soupçonnés, on ne va pas les faire jurer pour rien. Donc, ça, c'est Rabbi Meir. Maintenant, donc le dernier cas de la Mishnah, c'est quoi? C'est Hinvani Alpin Kasso. C'est-à-dire donc le commerçant qui vend des choses sur son carnet. Ça veut dire quoi? Ketsan. Lo Shioma lo katou al princesse et tahayab le matem zuz. C'est pas le commerçant, il vient demain, il me dit, monsieur, voilà, il est marqué dans mon carnet, tu me donnes 200 euros, tu payes. C'est pas comme ça. Dans ces cas-là, tout le monde peut faire ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Et là, c'est quoi le cas alors? אומר לו, תן לבני שתיים חיטין. תן לפועלי בסלע מעות. הוא אומר, נתתי, והן אומרים, לא נתנו. הוא נשבע ונוטל, והן נשבעים ונוטלים. Il dit comme ça. La Mishnah dit comme ça. Imaginons un monsieur, il envoie un commerçant donc, devant lui, enfin, voisin. Il lui dit, voilà, tu donnes à mon fils pour, par exemple, 2 kilos de blé. C'est plus que 2 kilos. Je crois que c'est 8 kilos à peu près. Bon, donne-lui 10 kilos de blé, par exemple. Et ça, sous-entendu, après, je te règle. Ou bien, il lui dit, tiens, le fort, allez, mais c'est la mort. Ou bien, il envoie son ouvrier, à qui il doit de l'argent. Il dit, écoute, je te paye en nature. Va chez le comme l'épicier, tu achètes ce que tu veux, et tu mets sur moi. Voilà. Oh, mais on a tâté. Le commerçant, l'épicier, dit, voilà, moi, j'ai tout donné, paye. Seulement, bien énorme, le Nathan. Et eux, ils disent, les salariés, ils viennent et ils disent, monsieur, il ne m'a rien donné, j'ai rien pris. Alors, on fait quoi? L'épicier jure, comme quoi il a donné, et il prend 50 euros, par exemple. Et l'ouvrier, il jure qu'il n'a rien pris, il prend 50 euros. Alors, viens avec moi, Amad Ben Anas, que ça, dès l'OL, ben les deux soirs. Tchaf! Ben Anas, il dit comment? Si tu fais jurer les deux, c'est un des deux qui est. Et il est en train de jurer à faux. Et on va, le Bédine, ils font comme ça un truc, comme ça, ils vont jurer à faux, c'est pas normal. Et là, où notel shelo bishvoa, behen notel shelo bishvoa. Il a dit, en fait, dans ce cas-là, aussi bien l'épicier que le salarié, ils prennent tous les deux, mais sans jurer. Pourquoi tu partages? Non, chacun il prend. L'épicier, bah oui, c'est le monsieur qui paye. L'épicier va prendre 50 euros, il te dit, moi j'ai donné, paye-moi 50 euros, je paye. Et l'autre dit, moi il m'a rien donné, bah, il prend quand même 50 euros. C'est ça, n'est-ce pas, un hôtel. Le patron, il y a un patron avec l'employé. Oui, le patron l'employé, par exemple. Il y a un menteur, oui. Hein? Il y a un menteur, oui. C'est pas notre problème. Mais il jure pas, il prend sans jurer. Et la personne, il est plus fort. Si, oui, absolument. Comment ils ont fait s'ils n'ont pas. Pardon? S'ils ont triché. Et qu'est-ce que je fasse? Ils sont pas réconciliés. Ah ben, il y a Hachem sur Terre, ça c'est pas un problème. Mais comment on peut pas savoir qui a raison? Comment on fait? Et les faire jurer, c'est pas possible. Amal, la haine vani. On continue. Amal, la haine vani. Ten li bedina perot. Un homme, il arrive donc devant un épicier, un fruit-primeur. Il dit, voilà, tu me donnes des fruits pour un dinar. Un dinar, donne-moi des fruits. Vénatal, il lui a donné. Il dit, voilà, un paquet, il y a là-bas des fruits. Amal, t'es-le ou ton dinar? Alors l'épicier, il dit, allez, donne-moi le dinar. Amal, on est à tes rentes, t'as tombé en palais. Il dit, mais je t'ai déjà payé. Tu vas mettre dans ta poche. On fait quoi? Il s'en va à la bête, je n'ai pas le temps de dîner.
le Baal HaBayit, l'acheteur, le client, il jure qu'il a payé. Maintenant, en fait, Rashi dit Shvuat Teset. C'est vrai. C'est vrai. Ben oui, parce que maintenant, Torah, si je te réclame de l'argent, tu dis non, je ne te dois pas, ben, pas pas d'or, c'est maintenant Torah. Là aussi, c'est pareil. L'autre dit, monsieur, tu me dois un dinar, dis, monsieur, je ne te dois rien. C'est la même chose. Pourquoi tu fais jurer? La main, je vois, ah, c'est Haramim, il dissuade les gens, donc c'est comme ça qu'on les fait jurer. Amalo, maintenant. Qu'est-ce qui différencie entre ça et celui qui a fait crédit au client? C'est toi qui lui a dit va lui donner. C'est toi qui a dit à l'épicier donne-lui. C'est toi qui a donné les ordres. Il te dit, monsieur, j'ai donné, je fais ce que tu m'as dit. Il a dit à quelqu'un de donner. Tout à l'heure, le premier gars. Il lui a dit, donne à mon employé 50 euros de marchandises. Non, mais par exemple, celui qui va prendre chez un épicier, à crédit. Non, on a dit, c'est pas le cas. C'est pas ça le cas. C'est quand moi, je dis à quelqu'un, ou je demande si le téléphone épicier, tu donnes à Réhouven 50 euros de marchandises. Ça y est. Lui, il vient et te dit, j'ai donné. L'autre dit, non, moi, j'ai rien pris. On fait quoi? Comme c'est toi qui as téléphoné. Alors, le deuxième cas, Amalo ten le taperot. Amalo netatim le chaveu l'artem le torbet. Rien, ça va rien venir. Mais dans l'autre sens, l'épicier, le client, il dit, moi je t'ai payé. Il est d'accord qu'il a payé. L'autre aussi. Il dit, donne-moi les fruits maintenant. Il dit, mais je te les ai donnés les fruits. Et tu les as déjà amenés, tu as donné à ton fils, il les a amenés à la maison. Alors on fait quoi? Là aussi, l'agma a dit, Ishabab Ahin Bani, c'est l'épicier qui va gérer comme quoi il a payé déjà. Enfin, il a donné les fruits, pardon. Via Rabbi Yehuda Omer, Kol Shehapadot Biyado Yado Ala Eliona. Rabbi Yehuda a dit, on ne joue pas comme ça. C'est celui qui a les fruits en main, celui qui est Yado Ala Eliona, c'est-à-dire. Hein? Non, on parle du premier cas. Pas le premier cas. L'épicier dit, tu ne m'as pas donné l'argent. Et l'épicier, il a donné les fruits. Il dit, paye. Il dit, je te les ai payés. Il vient Rabbi Yehuda, il dit, nous, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est le client qui jure. Le client qui jure, comme quoi il a payé. Il vient Rabbi Yehuda, il dit, non. Celui qui a les fruits, il est en position de force. Sous-entendu, j'ai déjà payé. Puisque si j'ai les fruits, c'est que j'ai payé. Alors, si, qui c'est qui jure ici? C'est à l'épicier de jurer comme quoi il n'a pas été payé. Il prend. Hein? Oui, si tu veux. Oui, moi, c'est Mahavero. Oui, parce que ici, il y a quand même. Il dit de façon générale, on ne vend pas par crédit. Ici, c'est le contraire. Il te donne d'abord un petit peu. Mais à l'époque, c'est pas comme ça. C'était quoi, maintenant, vendre par crédit? Apparemment. Ah non, pas du tout. Pourquoi? Au contraire. Au contraire. Donc ici, c'est pour ça que Rabbi Yehuda dit que ce n'est pas du tout la même chose. Donc il faut d'abord que, ici, il dit, selon Rabbi Yehuda, c'est le Henvani. Pardon, celui qui a les fruits, donc justement le monsieur qui a pris, le client qui a pris les fruits, il ne jure pas. Parce que s'il a les fruits, c'est qu'il a déjà payé. Il y a toujours un temps de battement entre le moment où il prend le fruit. Ouais, mais c'est toute la question. Alors, le même cas. On va le parcourir rapidement. Amal et Shulhani, c'est la même chose. Teni bidina ma'od v'natan. Amalu teni tadina 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 amalu teni où c'est que c'est? Voilà, Amal Shurani, voilà. Il lui dit, voilà, donne-moi pour un dinar, par exemple, des devises, je ne sais pas quoi. Il lui a donné la devise. L'autre lui dit, donne-moi le dinar. Il dit, je t'ai déjà payé, tu l'as mis dans ta poche. Là aussi, c'est lui qui jure. Si c'est dans l'autre sens, il lui a donné le dinar, le monsieur. Après, il lui dit, donne-moi la devise que je t'ai dit. L'autre lui dit, mais je t'ai déjà donné, tu l'as amené chez dans la maison. Là aussi, c'est le Shurani, le banquier qui jure. Et là encore, Abu Yehuda, il dit, non, c'est pas la façon de donner. Le Shurani, il ne donne pas un crédit. Donc, celui qui a, s'il a donné les marottes, c'est celui qui a déjà pris l'argent déjà. D'accord ?
On arrête là. C'est encore la mission, on n'a pas fini encore. Demain, ça va se faire.